On s'élève de la terre jusqu'au ciel. Tel est notre lot. Et nos ailes brillent au soleil. On scintille toujours de plus en plus haut. Les Wings se précipitent sur Terre pour prévenir les habitants d'une catastrophe environnementale. Mais Sky a perdu le pendentif d'Héraclion en chemin. Pendant ce temps, le diabolique Tritanus, qui a essayé d'empêcher son frère de devenir le prince héritier, est envoyé à la prison d'Andros, où il rencontre les Trix. A attaqué Néréus à la cérémonie et l'oncle Neptune l'a condamné à la prison d'Andros. Oh oh oh. Qu'est-ce que c'est? Gardienne du portail Terre! Gardienne Phila! Phila est là! Regardez! Quelque chose est en train de pénétrer le portail! Est-ce bien du pétrole? Ça provient du pétrolier! Il faut absolument sceller le portail. Oui, oui, tout de suite. Ça ne fonctionne pas. Oh ! Oh non, ça a traversé et se dirige vers Andros. Nous devons faire barrage. Lemmy ! Lemmy ! Regardez, le pétrole se dirige droit vers la prison d'Andros.
Je n'arrive pas à croire que mon père m'ait enfermé dans ce trou et fait de mon frère le prince héritier. C'est trop injuste. C'est toi qui aurais dû être à sa place. C'est exactement ce que je pense. Toi, tu me comprends ici. Merci. Je crois qu'on se ressemble beaucoup. Je crois qu'on se ressemble beaucoup. Mes sœurs et moi sommes enfermées ici pour toujours. Simplement parce qu'on ne se soumettra jamais à ces faits ridicules. Si j'avais mon trident entre les mains, je pourrais tous nous sortir d'ici. C'est ça, tu peux rêver. Oh, mais d'où est-ce que ça vient? Comment Tritanus peut-il faire une chose aussi horrible? Je ne sais pas, Layla, mais je suis vraiment désolée. Tes talons t'ont tendu un piège? Non, c'était un nouveau pas de danse. Et d'ailleurs, c'était parfaitement contrôlé. Nous sommes très fiers de toi, Bloom. C'était une très bonne idée d'organiser ce concert de charité. Oh, merci. Nous devions faire quelque chose pour aider Gardenia après la marée noire. Mais je crois qu'on peut faire plus. Oui, je suis d'accord. Écoutez-moi, les amis. Nous allons sur la plage pour la nettoyer. Joignez-vous à nous. Je ne comprends pas. Sky a l'air déprimé ces derniers temps, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Pourquoi tu n'en discutes pas avec lui? C'est vrai. Il faut que je sache ce qui ne va pas. Regarde tous ces gens qui travaillent avec nous. C'est super. La musique a la faculté de pousser les gens à faire de belles choses. Oh non! Regardez! Vous croyez que ça vient du pétrolier? Oui. Une grande quantité de pétrole s'est échappée dans l'océan. Et maintenant, ça vient vers la rive. Venez! Il faut qu'on informe la population. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu le pendentif d'Héraclion avant de pouvoir l'offrir à Bloom. Oui. C'est pas de chance. Il y a pire. Si le prince héritier d'Héraclion perd le pendentif, ça signifie qu'il ne sera jamais heureux avec la fille qu'il aime. Ne crois pas à ça. Trouve une solution. Attention, Bloom arrive. Ressaisis-toi et souris. Ah, tu es là. Quelque chose ne va pas? Tu te comportes un peu bizarrement. C'est juste que j'ai perdu quelque chose. C'est vrai? Quoi? Rien d'important. C'est pas grave. Oh, bon, d'accord. Je vais retourner nettoyer alors. Yeah.